Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Sancho de Cuba qui est la Sancho pour la salsa! Yes, sir! Yes, sir! Et on a un autre unboxing, celui de la... Legion of Collectors! Yes! Sous le thème de... Ça, c'est Nightwing. Teen Titans! Bravo, Sancho! Oui! Oh, un peu yeah. dur quand même à reconnaître. Pour ceux qui ne le reconnaîtraient pas, c'est Nightwing qu'on a pu voir dans les premiers épisodes, les premiers comics. Il avait un costume assez acrobatique, assez cirque. En réalité, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Ce n'est pas Teen Titans Go, c'est les Teen Titans avant les originaux, voilà. Donc, ne tardons plus. Allons voir ce que cette boxe contient. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant même de procéder à l'unboxing. Est-ce qu'il y a un récap est fait? Oui, oui. Donc, voilà. D'accord. On va commencer par le t-shirt. Beast Boy, oui. Oh oui, un beau tir en plus. Très, très bien. Oh ouais. Oh oui, quel beau t-shirt. J'aime. Oui, ça j'adore. Continuons. Oh, il y a un petit objet ici. Un reaction de Raven. Malheureusement, reaction. Je suis pas fort sur les reactions, malheureusement. Continuons. Oh, un autre. Un autre reaction. Cyborg cette fois-ci. Voilà. Bon. Oh, c'est un comics au fond. Je prends le pop avant. Et le pop est. Nightwing, comme on a pu le voir dans les premiers épisodes, les premiers comics, avec son petit costume. D'accord, c'est correct. Et maintenant, le comics, ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas eu de comics dans ces boîtes-ci. Le T de Teen Titan. On peut revoir Robin, Cyborg, Kid Flash, Starfire. Et ensuite la Justice League. Oh, intéressant. Ça, j'aime. Cette belle couverture. D'accord, oui. Est-ce qu'il reste autre chose? Oui, le patch. Et la boîte sera vide. On peut voir Cyborg, Teen Titan, Legion of Collectors. Donc, si je dois choisir un article préféré, j'irai avec le t-shirt. Voilà, car j'aime bien Beast Boy. Donc, mais je veux savoir, vous, dites-moi là dans les commentaires, quel est l'article qui vous a le plus plu? Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis merci encore d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine! Ciao! J'allais presque oublier, c'est avec cet unboxing que nous lançons les inscriptions pour la Romero Box Tolkien avec des licences comme Lord of the Rings, The Hobbit. Voilà, il vous suffirait de vous rendre sur Facebook, le groupe Romero Box, à l'événement Romero Box Tolkien. Il y aura un post approprié et simplement commenter en postant
l'image du personnage que vous préférez dans la communauté de l'anneau. Voilà, il peut être vivant à la fin des films ou mort, peu importe. Je veux juste voir la variété de personnages que nous aimons sur le groupe. Donc, aussi simple que ça, vous rendre sur Facebook, groupe Romero Box, l'événement Romero Box Tolkien, trouver le post approprié ou ce que je dis spécifiquement, c'est en commentant ce post que vous pourrez confirmer votre participation à la Romero Box Tolkien. À ce moment-là, simplement uploader l'image de le personnage que vous préférez le plus dans la communauté de l'anneau, donc dans la trilogie Seigneur des Anneaux, et en spécifiant, je veux participer à la Romero Box Tolkien. On donne jusqu'au 5 février pour vous inscrire à la Romero Box, et ensuite de cela, on vous va donner 2 petits jours pour faire retomber la poussière, et on va commencer les jeux pour accumuler des entrées additionnelles. Donc, j'attends vos participations sur le groupe Romero Box, l'événement Romero Box Tolkien, et je vous souhaite à tous une très bonne chance!